Klammer Schade, Donnerstag, 17. Februar 2022. Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Es geht weiter mit der Proposition de Modification de l'accès au Tribunal fédéral par Gilbert Colli. Aus dem 2016. Deuxième point. Proposition. De modification de l'accès en vue d'une consolidation du rôle du tribunal fédéral en tant que qu'autorité, hein? En tant qu'autorité judiciaire suprême. Deux points un, le concept. 2.1.1 Extension de la réglementation actuelle en matière d'entraide. Le recours unifié est exclu contre diverses décisions judiciaires rendues par les instances inférieures. Il s'agit en particulier de décisions administratives énoncées à l'article 83 LTF. Pour certaines de ces décisions, l'objet du litige ne justifie pas en soi l'exclusion de toute possibilité de recours à la Cour suprême. Comme le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral estime que ces causes doivent pouvoir lui être soumise afin qu'il puisse exercer sa fonction de Cour suprême et se prononcer sur les questions de droit fédéral particulièrement importantes qu'elle soulève. La situation est similaire en matière de mesures provisionnelles où l'application du droit fédéral ne peut simplement jamais être examinée librement. Entre parenthèses, article 98, LTF, parenthèse fermée. Cependant, une ouverture totale du recours unifié dans ces cas engendrerait une charge supplémentaire qui ne pourrait pas être absorbée en l'état. La voie du recours unifié doit être ouverte, mais dans une mesure limitée seulement. L'ouverture partielle du recours dans les cas précités exige compensation, car la charge du tribunal fédéral non seulement ne saurait augmenter, mais doit au contraire être réduite de manière significative. Il faut dès lors limiter les possibilités de recours dans certaines causes civiles, pénales et administratives où le recours unifié est actuellement illimité. Une telle limitation est conforme au rôle d'une Cour suprême, qui n'est pas de statuer en troisième ou quatrième instance sur des causes qui sont objectivement de peu d'importance ou sur des causes de masse où il s'agit uniquement d'appliquer des principes bien établis au cas particulier. Une telle limitation est conforme au postulat Caroni, adopté par le Conseil national. La solution pour réaliser ces objectifs n'a pas à être inventée. Elle se trouve déjà dans la LTF. De l'avis du tribunal fédéral, la limitation de l'accès telle qu'est
telle qu'elle est notamment définie au article 84 et 80A LTF pour l'entraide internationale pénale et l'entraide internationale administrative en matière fiscale est pertinente. Elle peut être étendue aux autres causes où le recours unifié doit, par rapport à la situation actuelle, soit être ouverte, soit être limitée. Il est judicieux que dans ces causes, le recours unifié soit recevable, mais uniquement lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs de cas particulièrement importants. Cette réglementation donne satisfaction dans les matières où elle s'applique déjà, à tel point que le législateur est en train de la reprendre pour d'autres matières. Et c'est là dans les deux sens, tant pour ouvrir le recours là où il est fermé que pour le limiter là où il est illimité. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de question juridique de principe, qui figure aux articles 74 alinéa 2, lettres A, 84A et 85 alinéa 2 LTF, ainsi qu'implicitement à l'article 84 LTF. D'une manière générale, une question juridique de principe se pose lorsqu'il est nécessaire pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral. Il ne suffit pas que la question posée n'ait pas encore été tranchée par le tribunal fédéral, encore faut-il que la nouvelle question à trancher puisse constituer un précédent important pour les autorités appelées à se prononcer sur de nombreux cas similaires. Une question juridique déjà tranchée par le tribunal fédéral peut être réexaminée sur la jurisprudence, si la jurisprudence n'est pas uniforme ou si elle a fait l'objet d'importantes critiques dans la doctrine, si de nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur ou si les circonstances se sont fondamentalement modifiées après qu'elle a été rendue. La jurisprudence a également précisé la notion du cas particulièrement important. Il s'agit d'une part de cas entachés de vices, de procédures graves. Entre parenthèses, CF, Constitution fédérale, article 84, alinéa 2, LTF. D'autre part, de cas qui ont une portée extraordinaire. La jurisprudence insiste sur le fait que la loi entend limiter fortement l'accès au tribunal fédéral en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants. La notion du cas particulièrement importante doit dès lors être comprise très restrictivement. Sous peine de torpiller le but de la loi, une hypothèse dans laquelle le cas particulièrement important devrait être admis est sans conteste l'application non uniforme du droit fédéral dans une partie du pays. Si une autorité fédérale ou une autorité cantonale de dernière instance, de manière régulière, passait outre à une jurisprudence confirmée du tribunal fédéral, le recours contre de telles décisions serait recevable. 2.1.2 Exclusion du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours unifié. Entre parenthèses, article 113 LTF, parenthèse fermée.
Il s'ensuit que dans la mesure où l'on ferme la voie du recours unifié contre une décision cantonale, on ouvre automatiquement la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier serait recevable chaque fois que les conditions pour la recevabilité du recours unifié ne seraient pas remplies. La décision cantonale pourrait toujours être portée devant le tribunal fédéral. Une décharge effective suppose donc nécessairement d'exclure le recours constitutionnel subsidiaire contre des décisions cantonales qui ne posent pas de questions juridiques de principe ou qui ne sont pas pour d'autres motifs particulièrement importants. Car si les chances de la partie recourante d'obtenir gain de cause sont en règle générale plus faibles avec un recours constitutionnel subsidiaire qu'avec un recours unifié, le travail que le tribunal fédéral doit fournir pour traiter l'un ou l'autre recours n'est souvent guère différent. Tous les griefs soulevés doivent être traités, et l'expérience démontre qu'examiner l'application d'une règle de droit fédéral sous l'angle de l'arbitraire n'est pas nécessairement plus rapide que de procéder à un examen libre. Le recours constitutionnel subsidiaire est uniquement ouvert contre des décisions d'autorité cantonale. Il ne l'est pas contre les décisions d'autorité fédérale. Cette différenciation ne se justifie objectivement pas. Elle n'est manifestement due qu'au fait que l'ancien recours du droit public était ouvert contre les seules décisions cantonales. Elle ne s'explique en particulier pas par l'exigence de l'application uniforme du droit fédéral. Certes, il n'y a pas de risque de pratiques divergentes au sein des juridictions fédérales pénales et administratives, dès lors qu'elles sont uniques, étant présumé qu'il existe au sein de ces tribunaux une procédure interne efficace en cas de divergence de pratiques entre les sections. Mais le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas un moyen de garantir une application uniforme du droit fédéral par les juridictions cantonales, tout simplement parce qu'il ne permet pas d'examiner librement l'application du droit fédéral. L'examen est limité à l'arbitraire. Le tribunal fédéral peut admettre le recours uniquement si la pratique de l'autorité cantonale est manifestement insoutenable. Il ne peut pas intervenir si la pratique est fausse, mais encore soit peu défendable. L'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire ne pose pas de problème en relation avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre parenthèses CEDH. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions susceptibles d'être portées devant le tribunal fédéral sont rendues dans le cadre de procédures judiciaires de recours dans lesquelles le grief d'une violation de la CEDH est admissible. L'exclusion du tout recours au tribunal fédéral dans certaines causes ne contrevient ainsi pas à l'exigence d'un recours effectif au sein de l'article 13 CEDH. Les décisions non susceptibles de recours au tribunal fédéral pourront alors, le cas échéant, être portées directement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il en va déjà ainsi pour nombre de décisions du TAF, du TAF, et on ne discerne pas pourquoi ce qui est admissible par rapport à des décisions du TAF ne le serait pas par rapport à des décisions rendues par les juridiction suprême cantonale. Je continue après avec 2.2, l'application du concept.
Et le troisième point, là, je vais lire tous ensemble, je crois. Car c'est un chapitre court.